Ok, salut tout le monde, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Aujourd'hui je vais utiliser, c'est-à-dire, je sais pas si c'est un nouveau concept ou pas, mais en tout cas je vais commencer à prendre les armes qui existent sur nous ici, sur mobile, et prendre, comment on appelle ça même, comment je pourrais le dire, prendre... différents classes en Warzone chez certains streamers que vous connaissez sûrement, et lorsque je ferai ça, je vais essayer d'adapter ça chez nous et j'irai tester ça pour voir s'il y a une différence entre le Warzone 1 et le code mobile. Donc j'ai pris pour un streamer que sûrement vous connaissez, il s'appelle Chouachin. J'ai pris une de ses classes que je vais équiper. Bon, il ne l'a pas montré véritablement, mais je vais vous mettre des images là et puis vous allez me dire si je suis correct ou pas. Donc on va l'équiper. Donc dans la première image que je vais vous mettre juste à droite au coin de l'écran, voilà. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de viseur juste à droite de l'arme là. Bon, lorsqu'il marche avec ça, on a l'impression que c'est une torche. Bon, ça ressemble, mais nous on n'a pas de torche, donc ça sera un sorte de laser. Donc on ne sait pas c'est quel type de laser, mais moi je conseille à chaque fois le laser tactique. Donc ça va augmenter la précision. Maintenant, ça c'est ce qu'on peut voir seulement sur la première image. Maintenant sur la deuxième image, vous allez voir que on voit au niveau du home barrel, c'est-à-dire de la poignée qui va pouvoir attraper là, on voit il a pris un petit truc qui est un peu en forme de chose. Je crois que c'est celui-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord. On voit bien que c'est celui-là. Donc c'est ça que je vais prendre. Et on voit aussi qu'au niveau du museau, de la bouche, on voit bien que c'est un agent si suppresseur qui est placé là. Donc c'est lui. On va mettre. Ok, maintenant au niveau de la munition, je n'ai pas vraiment eu le temps de voir il y a combien de balles dans son chargeur. Mais je pense que on va partir sur du standing mag B. Et au niveau du stock, je conseille pas trop à quelqu'un de changer le stock ici. L'arme est assez stable et on va prendre un barrel. Pour le barrel, j'ai tendance à regarder celui. Bon, je prends celui-là. Bon, je sais pas, parce que la hauteur, je n'ai pas eu vraiment le temps de la tester sur quoi que ce soit. Donc je vais prendre je suis un peu de tous les côtés. Bon, je vais prendre ça, du 7.5. Mais vous me dites en commentaire quelle est votre classe. Voilà, là, comme ça je peux la tester. Je vais la tester. Donc on va aller avec ça. Donc on va aller, bon, je sais pas, on va aller un peu en requête. Donc comme je vous ai vu, si vous allez voir ma vidéo, j'ai un peu travaillé sur le MJ pour passer en requête, pour requête un peu, pour passer légendaire. Donc ça sera comme ça que on va procéder. Donc c'est parti. Donc si vous aimez, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas, j'ai mis un short.
Ah d'accord, je l'ai vu. Aïe aïe, je savais que ces gens-là, ils campaient un peu trop à mon goût. Et aussi, j'avais certaines remarques. Au niveau du MJ. Qui a vraiment changé. Donc vous voyez, je pense que la classe est bonne. Elle a une bonne réactivité. Hop. Et c'est cette remarque là que j'ai faite. Ça campe un peu trop en classé. Avant tu jouais un classé, c'était vraiment servi de tous les côtés. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de challenge. Oh my gosh, guys! Vous voyez comment c'est foutu maintenant? Ça campe de ouf, même. Donc, c'est ça que je vous disais à propos du shot que j'avais fait avec la table 25 Legacy. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'édit vous plaît. Et bon, je vais me charger de vous servir comme d'habitude. Il y a un immobile. Fall my gosh, bro. Far away. Damn, man. Yo. My friend. Oh my gosh! Look at that thing, bro! Hey, man! Ay, 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 ay. Oh my gosh, bro. Oh man. J'ai mal joué sur ce coup là. Wow, broski, j'ai pas que je vois ce gars, je suis complètement...
J'aurais dû continuer de burn comme je faisais d'habitude. Oh, il est immunisé contre quoi? Ça va maintenant? Elle fait mal, hein? Ouh, je vous laisse une victoire, c'est ça qui me plaît. Oh putain, encore vous pouvez le constater, les classiques ça doit le changer. Et ça a été comme ça mon supplice pour passer du corps de vétéran à légendaire. Ah, je suis au moins dans le top cette fois-ci. Même si j'aurais aimé être le MVP. Si le fait de tester des armes un peu, voilà quoi, sur le PC, le conseil des consoles et les classes PC sur notre jeu Call du mobile ici. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et moi, je me chargerai de vous donner ça comme des petits gâteaux sur un plateau. Un plateau. Donc n'hésitez pas vraiment à m'encourager en commentaire, à vous abonner, liker la vidéo et... Je vous dis bien les choses. Allez, à la prochaine les gars.